Avec cette bicyclette, les gars. C'est ici les souterrains? Comment j'accède au souterrain? Bon, attends, je vais parler à ce gars-là parce que je sais pas ce qu'il regarde là, mais. Ah ouais, t'inquiète, il sera dans mon inventaire dans pas longtemps, mon ref. Oh, il y a un coucou, là, j'ai vu là derrière. Ça va aller, merci. Côté du centre Pokémon? Attendez, parce qu'il me faut une touche pour le vélo là. Bah de toute façon j'ai plus besoin de la canne à pêche. Parce qu'en fait le problème c'est qu'à chaque fois, j'imagine que dès que je vais appuyer sur start, ils vont me changer le... Je vais devoir sélectionner entre le vélo et moi je veux le vélo direct pour pas perdre de temps. La canne à pêche dans tous les cas je vais pas l'utiliser. Je veux juste le Magikarp. Enfin je pense, faire ça. C'est pas le cas? Ouais. C'est le bon ref. Bon, allez, go du type. Explore à kit, merci frérot. Ah, ça fait tout seul, ok. Waouh, ah oui, d'accord. Ça se passe comme ça aussi dans la vraie vie, les gars. What, mais attends, y'a trop de trucs. C'est quoi les petites flèches? Les petites lumières, c'est quoi? Ah non, mais c'est pour indiquer qu'il y a de la lumière. Bonjour, qu'est-ce qu'on a là? Mais si ces Pokémon ne m'intéressent pas, on fait quoi? Tous les tuer ou pas? Fais gaffe, ils sont level 30? Quoi? Bon, attends, mais c'est du. On peut juste avoir la priorité. Ah, mais le problème, c'est qu'ils vont me one shot. Oh, mais what the fuck? Ah, faudrait. En fait, faudrait trouver un endroit. Oh, wow, il va être tellement rapide. Je suis en plus 1, est-ce qu'avec deux match punch je peux le tuer? Je pense. Piège de rock, non mais frérot, t'as cru qu'on était où là? Non mais attends, je vais gagner trop d'XP là. Bah non, en stress, bah pas vraiment, c'est juste que. C'est encore mieux que les raids pour XP. Enfin non, les raids ils donnent. Il te donnait quand même des giga bonbons. Toi t'es un Pokémon glace toi non? C'est un Pokémon glace ou pas, je m'en rappelle plus. Ah non, c'est un Pokémon. Non, c'est un Pokémon électrique. Après en fait c'est pété parce qu'en fait du coup si t'arrives à avoir juste un Pokémon qui les. Qui surclasse glace. Mais non, je sais pas, je me disais que c'était un Pikachu mais version version glace quoi. Aïe aïe aïe. Là, il vient de bolosser. Hein. Oui, il me bolosse bien. Oh non, j'ai pas pu attaquer, terrible. En fait, le problème, c'est que j'étais obligé de passer l'attaque là, en fait. Là, je suis mort. Ouais, m'a pas fait bouler l'ec. Ouais, je suis en plus 2. Il y a peut-être un monde où. Où est-ce que je redevine un point boost? Non, non. Alors, faut tenter de lui mettre le maximum de dégâts avant de mourir au pire des cas. Pourquoi tu me fais ça? Je suis déjà paralysé. Allez, on est pas para, hein, une chance sur 4. Hein. Putain. Mais pourquoi il peut me tuer avec Boulelec et. Oh, le frérot, il me laisse vraiment farm quoi.
Capture-le. C'est pas grave, on en reverra d'autres, hein. Ouah, le free XP pour tout le monde. Ah, ça reset et ça... Et quand tu... Attendez. Parce que j'ai flemme de sortir pour me soigner. Tu peux te soigner à l'intérieur ou pas? On va utiliser la super potion maintenant. Bon, j'ai pas attendu que vous me répondiez. Allez, elle est terrible. Attends, du coup, là, si je fais ça et ça... Ça me vire les racaillons? Ouais, mais c'est Pokémon là. Ah, ok, mais en fait, tu spams juste une... Mais c'est quoi, 0 sur 40? Faut les capturer? Ah, lui, peut-être, il m'intéresse. Ouais, non, c'est pas la Tag Glass. En fait, faut que je trouve un Pokémon... Mais du coup, ça change à chaque truc, mais du coup... Est-ce qu'il y a une case précise où trouver... Oh, toi. Alors, toi, tu vas te prendre une attaque feu, mon pote. Justement, je cherche des Pokémon insectes ou des Pokémon plantes. Elle est où, la team plante, là? Des Pokémon qui peuvent... où je peux farm rapidement, tu vois. Je change de biome, il y a des biomes glace. Ah, oui, pardon. Tu as raté le shiny. Comment ça, le shiny? Il y a un sécateur pour ces Ayoxa, mais du coup c'est où que je vais pour... C'est le psycho quoi que... Oh non, je... Oh non, psycho quoi que c'est chiant. On aura plus de chances de shiny ou de droit des trucs rares en minant. Le problème, c'est que s'il me fait une attaque haut, là, je vais les sauver. C'est l'attaque? Non. Ma défense. Après, là, je tue en 2 matchs même, du coup. Je suis en plus 1. Sur un coup critique, peut-être? Non. Mais tu sais que l'attaque qui donne plus 1, je trouve ça fort. Et au final, il a pas tant que ça l'attaque. Après, quoique, là, on a le même level à peu près, là. Attends, il est level 29, je suis level 25, mais non, il monte level de ouf en fait. Non, c'est normal en fait les dégâts que je fais. Je fais même des gros dégâts en fait. Pour engager le combat pour voir les shiny. Bah oui, c'est pour ça que j'étais en mode de... c'est bizarre. C'est quoi Russe? Je crois que ça m'intéresse pas, mais... Ah ouais... Ouais, ouais... Bon, ça peut servir pour de la strat ou quoi, j'imagine, peut-être, mais pour moi, pour ce qu'on fait là, un peu la flemme. Donc attends, du coup, je suis dans cette salle. C'est quoi que je cherche comme biome, du coup? Mais en fait, je suis quand même obligé de passer dessus pour... Oh, mais là, c'est tellement grand. Et c'est quoi qui a marqué sur la carte? C'est quoi ces trucs, là? Ah. Tu as trouvé des objets? En fait, je vais faire quoi? Je comprends pas ce que je vais faire. Mais attends, mais... Ok. Mais j'ai du temps, j'ai quoi? Mais en fait, je peux spam, en fait. Ah non, je peux pas spam.
Oh, mais attends, ça, est-ce que c'est pas les trucs pour booster tes Pokémon, ça? La barre en haut. Oh merde, j'ai pas fait attention, je suis un peu con. La barre en haut. Du coup, il y a le marteau, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Faut le déterrer complètement ou... Allez. Oui, entièrement. Oh, merde. Non, je l'ai pas eu. En plus, c'était important celui-là, non? Attends, mais c'est trop bien ça, parce qu'après, les sphères là, c'est ce qu'on servait pour. Oh! C'est quoi ça? En fait, c'était pas un feignant, tu fais avec ça et au moins t'es tranquille, non? En fait, c'est quoi la différence entre prendre le marteau et... T'as trop? Bah ouais, mais t'es obligé de taper, non? Faut que tu vois en dessous, non? Enfin, j'ai pas encore compris la tech du coup. Ah ouais, non mais là c'est pas la bonne tech. Attends, y a 4 objets là que je dois trouver. Les sphères ça sert à rien. Ça sert à rien ça les sphères? T'es sûr? Alors je suis en prendre non, donc je pense que... Bah c'était pas... L'année dernière en Pokémon c'était pas pour XP ses Pokémon. Regarde à travers les fissures. Comment ça je regarde à travers les fissures? Là par exemple le cœur je le vois pas hein. Genre à travers ces petits trucs là. Jamais de la vie je le vois à travers ça. Là c'est exactement la même couleur que là et là. Tu vois là on sait qu'il y a quelque chose derrière mais... Ah, peut-être pas. Là, on voit que c'est pas un bon truc, ok. Oh, c'est léger, quoi. Waouh. Ouf. Et quand tout a été déterré, tu gagnes quelque chose? T'as un crack, t'es quoi? Non mais les sphères rouges, SLL et tout, c'est pour passer... C'est quoi ça? Oh, j'ai gagné un petit Pikachu. What the fuck? Oh, mais attends, parce que je suis en train de me dire les sphères là. Si c'est les trucs que tu gagnes là... Non, c'est trop facile. Elles vont où tes sphères après? Ah, c'est pour échanger au PNJ? Ok. Bon, bah, j'avoue que du coup. Là, c'est un biome quoi ça?
c'est dangereux, hein, ils accélèrent vite, hein, d'un coup. C'était boué. Il est bien lui, mais bon. C'est beau vu que c'est bleu. Ouais, mais de base, en fait, tu vois pas que c'est bleu. Là, maintenant, tu le vois dans le radar, mais. Y'a pas des Pokémon ou en TSA à voir? Lui, il m'énerve. Après, ce Pokémon, il est fort. Hein. Enfin, il est chiant. Mais en fait, le biome, tu peux pas savoir à l'avance. C'est des points d'interrogation, donc faut que de base, tu ailles sur le biome pour. Pour savoir si c'est un biome forêt ou quoi, non? Faut d'abord que tu rentres dedans, du coup. Et après, ça change pas, ça reste comme ça pour la vie. Et 4 sur 40, quand je serai à 40, il se passe quoi, genre? C'est un biome quoi? C'est un biome ténèbre, non? C'est sombre, ça. Marécage. T'as du loot plus rare à 40 sur 40? Ah ouais? Mais comment t'as du loot plus rare du coup? Parce que depuis tout à l'heure, je la ramasse en fait exprès. Hein. Si je passe là, il y a un topiqueur à ce moment-là et. Mais c'est quoi le plus de chance? C'est vraiment gigantesque ou ça change rien? Je peux avoir un sécateur dans cette zone. Ah, c'est divisé par deux, ok. Tout seul c'est trop long pour jouer un line et on a une flemme d'être sociable. Attends, c'est quoi le biome ici là? Grotte de la prairie. La prairie ça. Oh, je sais pas. Ouah, d'un coup il a accéléré, j'ai pas pu les gars. S'il te plaît, me paralyse pas, s'il te plaît. S'il te plaît, je te vois juste après là. Mets-moi une boule élec. Change éclair, non, il me paralyse pas avec change éclair quand même, s'il vous plaît. Il y a peut-être là un sécateur charge dans tout le biome. Ah, c'est dans celui-là, un sécateur? Et c'était pas marqué forêt, les gars, c'était prairie. T'as réussi Absol? Ouais. Absol m'intéresse pas pour l'instant. Là, c'est forêt celui-là? Non, c'est pas. Non, bloqué. Mini-draco dans le biome haut. Ouais, mais faut avoir la canne à pêche, non? Enfin, les gars, s'il vous plaît, là, faut pas d'info chat là. Pas d'info de chat les gars. Quel Pokémon intéressant? Vous savez à peu près les Pokémon intéressants qui m'intéressent. Je peux avoir ici. Donc à part un sécateur. Pas mon attaque s'il te plaît. C'est pas ça. Nidrago c'est post-league, ouais c'est ça. Dans ce biome, non, dans tout le truc. What the fuck? Oula, c'est problématique là. Attendez, parce que quand ils te disent le message tu n'as plus de gemmes sur Red Shadow, c'est que waouh! Soit t'as beaucoup de farm, soit. What the fuck? What the fuck? Mais Nidrago, est-ce que je peux l'avoir avant la ligue? C'est ça la question. Genre, est-ce que je peux l'avoir là, dans les souterrains, avec beaucoup de chance? Que ça, je suis prêt à faire des resets, ça. Tu peux l'avoir maintenant. Ça la mèche? Oh, ça la mèche, pas mal. Ça la mèche, c'est pas mal. Tu dois avoir rempli le Pokédex.
Ouais, mais je sais pas, il y a un mec dans le chat, justement, c'est pour ça que j'ai dit les infos chat, attention les gars. Il y a un mec dans le chat qui a dit tu peux avoir Mini Draco dans le truc haut. Rosalia. Enfin, Rosalia Roserad. Non, c'est Rosalia. Ouais, il est super rare, Absol, dis donc. Après, je suis malin, ça se trouve, quand je le voudrais peut-être pour le Pokédex. Bon, allez, go Absol. Absol rare, bah ouais, mais. Enfin, pour un rare, il apparaît quand même souvent devant moi. Hein. Nickel. Parfait range. J'ai qu'une seule Super Bowl, Absol, par contre. T'inquiète, j'arrive, moi. Ah non, j'en ai deux. Tu comprends Cisaiox ? Bah ouais, je voulais Cisaiox pour ça. Mais en fait, je sais pas dans quelle zone, on me dit forêt, puis après quand je rentre dans le biome prairie, donc qui n'est pas forêt, on me dit tu peux avoir un sécateur là-dedans. Donc je ne sais pas différencier les infos de chat des vraies infos. Bien joué. Oh, en plus tu captures et tu gagnes de l'XP en même temps, mais c'est incroyable. Oh là là, prochain level, Léviator, oh là là. Mais si tu peux l'avoir là, Gotha, je l'ai eu ici. Ah, mais parce qu'il est dans plusieurs biomes, ok. Bah là, j'ai eu deux rares qui sont Absol du coup, mais... Attends, on va se soigner. Parce qu'on m'a dit aussi qu'il y avait des PNJ qui te soignaient, mais j'en ai pas croisé un seul pour l'instant. Bon, les potions, ça commence à... Je sais qu'attends dans un biome désertique. Oh bah toi c'est pris toi. Une forêt dans le chat parle, c'est prairie. Ah, donc c'est celui-là. Merci, Onimari. Merci beaucoup, Onimari. Mais du coup, attends, tout à l'heure j'étais dans ce biome-là aussi, non? Et on m'a dit non, c'est pas celui-là pour un sécateur. Voilà, c'est plein de Pokémon insectes. En fait, ouais, non, ça peut être là, j'avoue. Lui, il doit rapporter un peu plus XP, non? Rosella donne beaucoup d'XP, c'est vrai? Drascor, Tarsal, un sécateur, Fantominus, si tu veux, avant les autres batchs. Moi, je les ai trouvés. J'ai vu Fantominus et. Non, j'ai pas vu Fantominus. De toute façon, faut que je fasse un échange pour avec Ectoplasma, du coup, c'est un peu chiant. Après, tu me diras, pour un sécateur, c'est la même chose. Avec ça, j'avoue que tu XP trop rapidement quoi, tu fais genre 2 heures de ça et... Rose bouton, non, rose bouton c'est pas assez, c'est Rosalia. Une fois au-dessus de 30, ils vont plus t'écouter après. Si, de batch c'est 30 hein, 30 plus hein.
contre, je vois pas très bien dans ce biome, j'ai l'impression. Genre, vu qu'un sécateur il est vrai, il est vert, ça se trouve, je vais passer à côté un moment et je le verrai pas. Je sais pas, ouais, ça se trouve, je le verrai pas, les gars. Je l'ai bien vu, hein. Il est grand quand même, il est imposant. Non, il est gigabi. Ouais, c'est pas quelqu'un. Je pense que oui. Ah mais est-ce que une route feu en boosté? Eh hey, calme. Je vais encore pouvoir t'envoyer la Pokéball, s'il te plaît, calme-toi. Je pense que peut-être en plus zéro, il la tank. Enfin non, c'est pas du x4, est-ce qu'il est pas insecte et vol? Non? Si. Et pourtant, il le tank celui-là, les gars. Ouais, comment il est fort ce Pokémon. Ouais, mais est-ce que je veux pas un insécateur mal? Je crois qu'il m'a trouvé un peu trop misogyne. Il fait mal, celui-là. Arrête, c'est bon. Je te touche déjà pas là, mon ref. Aïe, en plus l'éditeur qui va évoluer juste après cette capture là, qui va se faire juste après cette prochaine Pokéball en fait. Oh, j'ai mis clic, esquive. Je vais renvoyer une Pokéball, esquive. Putain. J'étais pas concentré. Putain. Et la seule qui devait esquiver, elle l'a pas esquivé ce coup. Le problème c'est que... Oh. Je suis toujours fan de Léviathan, je pense, les gars, en vrai. Que vous le voyez ou non, il y a un flow. Le problème, c'est que du coup, il me soigne où, là, les bolos, là. Ouais, je te montre ça des deux côtés, exactement. C'est où qu'on me soigne, du coup, les gars? Il n'y a pas de PNJ à l'intérieur, en fait. Vous m'avez menti. Excusez-moi, j'ai besoin de soins. Excusez-moi. C'est une salle, ça. Excusez-moi. Ah, je suis obligé de le sortir, maintenant. Oh, à droite. Oh, à droite. Alors,
ça c'est vraiment tout en haut, tout en haut, tout en haut. Non mais là je sens que tu me baites là. Non mais ça va être la salle haut. Non en bas. Ok je me trustais pas. Moi c'est quoi ces gigasalles là? Les grosses là. Oh, faut que j'aille à la grosse. Mais c'est trop grand. Oh, c'est incroyable. Merci pour ce free PL, mon ref. Merci pour ce PL gratuit. Confondu. On va quand même prendre des Super Bowl. Oh, on n'a pas le droit encore. Juste pour être large. Et là, on part à l'aventure, les gars. Allez, je pense qu'on se capture un sécateur, on arrête pour aujourd'hui. Là en fait je sais que je vais jamais arrêter en fait si c'est comme ça. Putain, j'en ai marre de moi. Pourquoi je peux jamais juste avoir une vie normale ou... Ah peut-être j'aurais dû acheter des rappels aussi. Non c'est bon, c'est bonhomme. Faut reparler au vieux. Pourquoi vous voulez que je reparle au vieux? Pour faire quoi? Comment ça je suis retourné à 0 sur 40 là? Genre tu dois one shot les 40? Bah t'es ressorti. Ah c'est en une session que tu dois... Waouh. Ok. Ok, j'avais pas compris ça. Wow, niveau qualité prix commenté. Wow. En fait, il est pas du tout rare en fait un sécateur. Mais un sécateur, il existe que en femelle. Oh lui, il est plus résistant que l'autre. Il est en range. Tiens, un petit honneur.
Oh, tu t'es... Hey, je viens de sortir là, t'es chiant quand même. Dégueu, la nouvelle évolution en Cicata, ça peut plus faire de beaux dessins. La nouvelle évolution en Cicata. Comment ça, la nouvelle? Il y a une évolution en Precisaox? Ouais, mais il est vénère de ouf, hein, cet insécateur là. Oh! Oh! Ah, ça se rend. Merci beaucoup, Azrod, bienvenue. Laisse tomber, c'est pas pour maintenant, ok. Qu'est-ce que c'est bon, je laisse tomber, mon ref. Par contre, pour capturer des Pokémon, j'avoue que... Regardons sa nature. Plus attaque SP, moins défense SP. Ouais, c'est un peu naze. Putain, et je dois ressortir, c'est terrible. Mais ils vendent même pas des rappels. Je viens d'aller voir Ashikater, dites-moi que c'est une vanne. Non, mais vraiment, c'est pas un troll. Depuis tout à l'heure, je crois que c'était un troll du mec dans le chat. Type insecroche. What the fuck? Mais c'est l'évolution d'un Insecator, non? L'info de ouf, bah ouais, peut-être qu'on a l'image d'un sécateur, du coup c'est vrai que ça fait... Là, c'est une évolution alternative. Ok. Ouais, il a un petit flow, mais c'est pas... je sais pas... c'est bizarre juste. T'étais pas habitué, quoi. Vas-y, je vais voir dans le monde en ligne, on va voir. On va voir en ligne ce que ça donne. Et genre en ligne... qu'est-ce qui se passe là en ligne? Qu'est-ce que ça a changé? Je vois pas. Ça a absolument rien changé. Ah, et du coup, là, on est à 40 sur 40, du coup. Donc là, t'as plus de chances d'avoir des chenilles, genre. Féroce, est-ce qu'on va à Rhinastock? Flemme, hein. Donc là, t'as juste une chance sur 2000. Ah ouais, c'est des probas en plus, hein, on prend. Hein. Ah, attends, j'ai envie de découvrir les nouvelles salles, en vrai. T'as une statue shiny à chaque ménage. Une statue shiny? Qu'est-ce qu'une statue shiny?
Des objets, c'est dur à trouver. Hein. Fin de tournage. Je suis vraiment nul à ça, les gars. Oh, PNJ. Cage éclair. Libre à quoi? x20. Bon, c'est x3. Trop nul à ça. Ok. Prends cage éclair pour te faire. J'ai pas assez. Faut que je mine plus. Mais c'est quoi ce coffre? Oh, une statue de Scorbol Shiny apparaît. Et ça fait quoi? Ça fait quoi la statue? En fait, ça te fait quoi que t'aies des statues Shiny? Là, je comprends pas. De la déco. Ok, mais... Tu mets dans ta base, ça booste les chances d'avoir lui en chaîne. Ah, ok. Ah, ok, je vois. Et du coup, là, ça booste mes chances d'avoir juste une petite basique plus souvent. Ouais, c'est pas mal comme concept. En fait, il y a des insécateurs partout en vrai. On n'est pas dans la forêt ou quoi là. Ah non, c'est un fake. Merde. Par contre, j'ai vraiment que des femelles. Alors j'ai rien contre les femelles, mais non, c'est bizarre, dit comme ça. T'as eu l'anime? L'anime de quoi? Moi, j'avoue que j'arrive pas à repérer les... J'arrive pas à repérer les animes. Au final, je ferme pas tant que ça, hein, finalement. Ah ben là, c'est un biome bizarre, coupé en deux. Quand ça zoome sur ta tête, en début, le bokeh est 2 IV à 31. Moi, j'ai pas compris. Quand ça zoome sur ma tête. Attends, faudra qu'on revoie ça. Ça. C'est comme les animations des packs, ça pif pas. Ton insécateur a le bon talent en tout cas. Bah non, c'est pas attaque spé que je le joue, insécateur, c'est attaque physique, non?
Ah, tu parles de talent technicien. Ah oui, technicien, oui, c'est ce qu'il faut, oui. Je croyais que tu parlais de la nature, pardon, c'est mal compris. Bon, je vais dans Gigabiome, on trouvera un sécateur après. Ouais, ça va, on trouve pas, on met pas trop, y a pas trop de difficultés à le trouver, j'ai l'impression. Après, le truc, c'est qu'il va falloir en trouver beaucoup du coup pour avoir la bonne nature et le bon talent en même temps. Voilà, bah, y a tellement de minage. Attends, pause, j'ai rejoint un monde 1 sur 40, mais là, c'est moi qui dois faire les 40 tout seul, comme un grand. C'est quoi ce biome? Oh, ce biome il recrute. Ouais, ce biome il y a tout le life quoi. Bon, super bonbon, c'est notre premier. Ouah, mais des fois ils font des accélérations. Merci Temeris. Tu comptes te join Gotha? Non c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Non mais je pense que je rejoins un truc C'est quoi ça? Ok. Dans la grande zone, un sécateur 30%, excellent que 70%, plus de bouge, genre fardoco, etc. Mais t'as déjà vu tout le reste. Ok. Et ça change en fonction des jours, ça change en fonction de quoi? Il y a... Oh cascade. Quoi, fontaine de vie? Qu'est-ce que ça fait ça? Oh, c'est cool ça. Bon, c'est. Veux, ça doit être utilisé, non? Un peu. Pour soigner un Pokémon de ton équipe ou pas du tout? Ah non, parce que du coup, en fait, c'est préchotable de ouf. Sur le papier, ça a l'air cool. Tu le mets, soit tu restes et tu soignes ton Pokémon à toi, soit le prochain qui rentre. Ça va? Si, c'est fort en strat, ok. Laisse-moi. Oh, je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu. Je suis désolé, je t'ai marché dessus. Ouais, je comprends que tu sois vénère. Là dans la grande zone, là il y a plus de chances d'avoir des Pokémon. La surface. Donc c'est Mio, ok. Oh. Du coup là-bas il peut y avoir du sécateur. Oh là. Mais je crois qu'ils m'ont apporté pas mal d'XP et t'es pas dur à tuer. Lui c'est la première fois que je le vois. Balgren, ok. J'ai un mini Draco Belgia toi. Eh oui mais toi t'as fini la ligue non? Merci Bekosaurus. Si tu as surf tu peux aller sur l'eau, mais j'ai pas surf frérot, je viens de commencer le jeu. Oui je peux faire un œuf.
Ok. Bah fais ton œuvre, frérot. Je te dis. Oh, mais arrêtez aussi de me prendre en traite comme ça, les gars. Oh. On est où, là? Oh. Oh. Ah, par contre, j'avais dit, j'ai arrêté après le... Mais j'ai l'impression que je peux pas m'arrêter. Pourquoi, les gars? Pourquoi je suis sous l'emprise du jeu comme ça? Pourquoi suis-je sous l'emprise du jeu comme ça, là? Je vais mourir, là. C'est quoi, tourmente? Je peux te voir. Ouais, c'est mieux. Bon, je sais pas trop ce qu'on fait là, du coup, les gars. Parce qu'au final, y a pas d'instigateur. Après, je peux peut-être y retourner. Mais en fait, ils ferment pas, les mecs, là. Il n'y a que moi qui compte, là, du coup. Ouais, j'aimerais bien avoir un sécateur avec une bonne nature. Pas une nature correcte quoi, là c'est vraiment la pire. Juste je fais ça et après je me casse. Excellent, il doit rapporter, non? En général, les tanks comme ça, les Pokémon tanks, là, ils rapportent. Ouais, mais est-ce que je veux plus d'XP, déjà? Voilà, un petit excellent, c'est pas mal. La meilleure grande zone pour un sécateur, celle tout à droite. Ouais, mais je peux pas y accéder à celle tout à droite. Y a pas de chemin d'accès. Comment je fais pour passer et me téléporter dans... Ah, je devrais le tuer, non? Faut te déplacer dans la vraie map. Comment ça, faut me déplacer dans la vraie map? Si, je peux y accéder maintenant. Et quand tu dis celle tout à droite, c'est celle qui est tout à droite là-bas. Celle où je peux accéder. Mais c'est la grande zone désert, ok. Salut Absol. Salut à tous. Pardon, excuse-moi. Non, lightbox, la barre, s'il vous plaît. Mine, Gotha, mine. Bah, je sais pas, ça pue. Enfin, pour l'instant, miner, je trouve ça nul. C'est pas méchant, mais. Enfin, les trucs L, machin, etc. Pour l'instant, à part acheter des CT. Après, il y a KG Claire qui peut être intéressante, mais à part KG Claire. En fait, je vois pas l'utilité de miner pour l'instant. Ah, des fossiles, mais des fossiles de quel Pokémon? Tire un peu plus vite en revenant à la surface et en revenant au milieu. C'est vrai. Ah, mais je vais ressortir et je vais perdre des... C'est pas grave. Peut-être que j'étais à 3, c'est pas comme si... Tu pars, Terra?
c'est vraiment la vie que j'ai décidé de mener de faire. D'être là, cliquer sur Explore un kit et y retourner. Parle, Yuck. Trop tard, on est reparti. On est reparti, les refs. Je suis en ligne là ou pas? Non, je crois que je l'ai fait sans cliquer en ligne, non? Eh merde. On va voir le vieux avant, bon. Je retourne à la surface, mais juste parce que j'ai pas cliqué en ligne, hein. Allez, je vais voir le vieux. Juste dit comment, mais ça on pouvait déjà le faire. Reparle encore, non mais c'est bon. Trop tard les gars, on est parti. Let's go. Les nouveaux trucs marqués sur la map là. Bah c'est pas être. C'est quoi ça d'avoir une base secrète? Pour mettre tes statues. Mais à quoi ça sert de mettre tes statues? Parce que du coup c'était du bait le truc pour augmenter les chances de shiny. Ah, ça augmente tes chances de rencontre. Oh salut, première fois que je vois un gars. Je vais miner un peu. Elle a un petit coup de minage, un petit coup de fail. Waouh. Je vais prendre l'autre un peu. Pas de chance. Vraiment pas de chance. Waouh. Vraiment, vraiment pas de chance. Bon, après, je suis vraiment là sur le voyage à travers. Bah ça a pas l'air simple pour l'instant, j'avoue que je galère moi. J'avoue que je suis en giga galère. Toi par exemple tu vends quoi? Oh oui effectivement tu peux trouver des PNJ qui te soignent. Ok, ils sont toujours au même endroit ou celle-là toi? Toujours au même endroit. Ok, ah ouais, faut connaître du coup. Oh le forceur!
peut me faire giga mal, il est niveau 29. Oh, la petite couleur qui arrive, comme ça je vais 2 hits. Arrête après un sécateur, mais on n'a pas eu un sécateur. On a eu un insécateur, mais claqué. Faut un insécateur au moins dans la bonne nature, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Après, oui, on pourrait reprendre demain, ouais. Non, 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 la VAR. En fait, est-ce que ça va pas trop farm en fait? Est-ce qu'il te donne pas cette option pour accéder aux mines un peu trop tôt? Parce que là en fait. En fait, l'option, il te la donne beaucoup trop tôt, là, en fait. Parce que là, t'es Pokémon, si t'es juste... Parce que là, je farme pas tant que ça, tu vois, genre... Pour le coup, Autant, j'évite aucun combat, etc. Autant, là, j'essaie d'éviter le plus de combats que possible, hein, parce que là, j'ai pas envie de farm, mais... J'ai juste accédé à la salle tout à droite. Trouver des insécateurs, et ceux qui me foncent dedans, j'essaie de les éviter, mais... Malheureusement, c'est des forceurs. On va pas être assez noir, c'est Pokémon, là, dans les salles. Mais merde, je peux pas, putain, je crois que je pouvais passer par là directement. Oh, désert. Oh, c'est le premier désert que j'ai. Onyx. Onyx, il a la vénère atteinte. Attends, y'a quoi d'autre comme reset? Ouais, c'est un vrai désert là pour le coup. Là. C'est un. Un caillou. Petite Pokéball. Pépite, ça se vend ça. Et c'est quoi, c'est juste des racailles et des onyx? Ok. La zone à droite, c'est celle-là en plus grand. Ah, et dedans, il y a des insécateurs? Parce qu'on m'avait pas dit désert de base. On m'a dit que dans le désert, il y avait des Pokémon cool, mais. Les insécateurs, on m'a dit plus forêt. Non, je suis juste en spec, les gars. Calmez-vous. Ah, dans celle-ci, il y a des Goinfrex. Goinfrex, c'est pas mal, du coup. Waouh. Onde de choc. Le nom en tout cas il est stylé. Cette grande zone elle est mieux que l'autre grande zone je trouve. Tu sais en termes de pour se déplacer et tout. Après je sais parce que j'ai pas surf aussi. Peut-être en ayant surf l'autre elle est kiffante. Wouah le gangwang. Merci un de vol. Silence, mais t'as 4 Pokémon. Ah, je pense que c'est pour te forcer et puis même pour pouvoir te balader sans non plus trop. Je peux plus contrôler mes si mon chien. Au pire, les gars, j'ai des fabuleux qui sont moins en XP, vous en faites pas, les gars. Et même quand tu peux plus contrôler, en fait, je crois que c'est juste, il y a des fois, il te dit juste flemme, quoi. Mais sinon, tu peux quand même lui faire des attaques, il me semble. Hein. Je crois pas que ce soit un mode, tu peux plus du tout jouer avec, quoi.
Mais si ton sein au chat parfait, tu pourras toujours le contrôler. Ouais, parce que c'est le start. Si je l'ai pas qu'à m'en échanger, que t'obéisses plus. Je crois que c'est plus que ça. Hein. Mais je crois que le starter, c'est différent. Et puis même ce délire de pas les contrôler, c'est juste des fois, ils attaquent pas, quoi. C'est comme si t'étais paralysé, quoi. Mais je crois que sinon, les ordres de priorité et tout sont toujours respectés, tout est... Bah, par contre, j'avoue que là, la zone, les gars, elle fait un peu de chip, hein. Oh! Comment je dis ça? Salut. Oh, il est shiny en plus! Pas du tout. C'est juste pour réveiller celui du chat qui avait juste le vocal. Après, j'ai pas été. Par contre, il n'y en a aucun. J'ai aucun sécateur mal depuis tout à l'heure. Tu m'as bait. Je suis tombé dedans. Ok, ça a marché. Ah, nickel. Lui, il se fait 2-8, les gars. Je pense que. Ah, si, peut-être un coup de double. Son coup double là, il. Si tu tankes ça, tu mérites d'être dans l'équipe. Dommage. T'es bâtard, j'essaie de dormir. En vrai, là, en plus, là, il va y avoir le plus de chances d'avoir des shiny, non? On a 40 sur 40. En vrai, c'était. Ah non, mais là, faut pas que j'aille miner, là, je sais pas quoi là. Parce que là, je dois pas les miner. Quand on est à 40 sur 40, là, je sais pas quoi, là. Faut pas les miner, là, c'est ça? Non, ce qu'on veut, c'est plus vitesse, moins attaque speed. Mais après, sinon, on prend juste un sécateur, on change ça, ça tombe plus tard, on le fait, tu vois. On... Ah. Non mon ref. Sur un sécateur, c'est important, pas sur 6 aveugles, tu spams une attaque de priorité, tu seras toujours premier. Ouais, mais imagine le mec joue 6 aveugles aussi, du coup la priorité c'est celui qui. Celui qui a la priorité c'est celui qui est le plus rapide du coup. Imagine je joue un viewer dans le chat, qui a un 6 aveugles de bonne nature. Alors, franchement, il est level 29. On serait très déçu si il tankait pas. J'abuse peut-être un peu là, non? Non, ça va, c'est le level 29. Toujours un plaisir ce setup. Je peux pas la baisser plus, c'est vrai. Trempette, c'est quelque chose. Hey, mon dégât, hein, le petit léviateur là. Arrête de mettre tout le temps des coups critiques, par contre. C'est surpuissance qui les arme. Je pense qu'il est vraiment pas bon. Pour avoir été aussi facile, il a pas branché.
Oh, et là, j'ai même plus mon manafi. Bon, dernière tentative, les gars, et après, on reprendra demain. Ouais, j'ai intimidation qui peut baisser son attaque. Peut-être qu'il y en a un autre. Non, je pense pas. Mais là, sans les charmes, là, ça va être dur. Hein. Après, on a vu le en 3 coups, il le mettait en range, le Viator. Mais sur un 29. Après, les Viator pour farm dans cette zone, ça pourrait être une bille. Hein. Full spam cascade contre les Rakai Unix, ça irait très très vite. Ah, le problème, c'est le Flat Rock qui freine. Je commence à désespérer, les gars. Tu vas passer là, si t'inquiète. Frérot, je suis joueur professionnel en fait. Je suis joueur professionnel, par contre, je commence à être vraiment fatigué, très fatigué, parce que là, j'étais dans un bon rythme de base, les gars, avant de lancer ce live. Je pensais pas me coucher tard. Franchement, j'ai commencé l'aventure, j'étais en mode, franchement, j'aime bien, mais ça va, tu vois. Je vais pas être accro, je vais pas être. Et là, je suis là, en train de chercher un putain d'insécateur. J'en ai trouvé des sécateurs en plus, pourquoi je cherche à avoir un sécateur Après à chaque fois c'est le moins vitesse aussi, ils abusent. Franchement c'était autre chose, genre juste pas le moins vitesse. Genre tu vois. Non, non. Mais pourquoi toujours obligé de mettre le moins. Oh, j'étais violent. Hop, petit esquive par la droite comme ça directement, et là c'est le rush. Blablabla. Hop, pris par surprise, du coup c'est shiny, c'est sûr, c'est évident. Et non. Tu regardes le bizarre sac que là, je commence à le regretter. Oui, mais c'était aussi moins vitesse, hein, du coup. Elle lance pas me casque. Oh, niveau 25. Niveau 25. Sa tankiness. Elle est ok. Et mon Léviator, il tient bien. Pas de coup critique. Nickel. C'est du en range, ça. J'ai envie de grid un morsure, mais... Parce qu'il est pas type ténèbre, donc c'est pas stable et elle fait moins de dégâts de base. Je pense morsure passe, mais bon. Il grid pas, ouais. Non, j'aime pas beaucoup d'insécateur, donc je grid pas. J'avais mort sur passe là. Je pense que ça passe moi. Hein. Bah, par rapport aux dégâts que met cascade, en sachant que cascade est stable et fait plus de dégâts de base, morsure n'est pas stable, c'est pas un Pokémon ténèbre, Léviator. Donc elle fait moins de dégâts de base et elle est pas stable. Moi je pense que ça passe pas. Enfin, je pense que je le tue pas, hein. Je pense qu'il a un HP. Je t'offre 5 sel, ça passe. Franchement c'est chaud, hein. Ça joue. Hein. Je pense qu'il y a match. Hein. En fait lui il veut juste que je galère et que je retrouve un... Après moi j'ai rien parié, c'est juste lui, donc en fait moi j'ai juste tout à gagner en fait, à ça juste je vais perdre 3 minutes pour en retrouver un nouveau. Je sais pas, moi je le vois comme ça. Genre, je le mettais pas mid-life avec un cascade. Ah ouais, non, mais en fait, si ça fait les dégâts nécessaires, en fait, il fallait qu'il soit un poil plus haut. Parce que là, ça fait 60 et c'est pas stable. Celui-là fait 80 et c'est stable. Non, mais regarde ses HP. Ouais, mais je suis niveau 23, il est 25. Charge à la limite. Ah oui, bah oui, charge. J'avais pas vu que j'avais charge. Nickel, charge, normalement c'est bon, c'est normal. Si je le tue avec charge, ça voudrait dire que j'ai vraiment mal calculé mon coup.
Ah, coup critique, ouais, c'est pour ça. Coup critique, les gars. Dommage. Ah ouais, sans le coup critique, je pense, c'était bon. On le saura jamais, du coup. On le saura jamais. C'est pas non non mais moi j'avais pas. C'est le même, il est revenu. Mais du coup il sait pas non mais moi j'ai pas parié, c'est lui qui a parié. Ah lui il a moins de défense là déjà. Là, tu vois, c'était pour mieux être en range, les gars. Je vous dis, je suis professionnel, mais je sais pas, vous me croyez pas, on dirait. Arcot, en fait, il était dur à mettre en range. Peut-être parce qu'il était plus tanky, du coup plus fort. Ou peut-être que justement, il avait la mauvaise nature, il avait plus 10% en défense, ce qu'on veut pas. Alors que lui, il est à point, tu vois. À quel point je suis professionnel, mon Léviathan ne va pas mourir. Parce qu'il rentre dans 7 Pokéballs. Pas un truc pour l'endormir. Si si. Si si, attends je regarde mon set. J'ai Écrafas. Écrafas je pense que je l'endors. Et après j'aurai tout mon temps parce qu'il se réveillera pas, bien sûr. De toute façon il rentre jamais dans cette Pokéball. Dans la chose, vous avez dit. Pas dans la prochaine non plus. Il rentre pas dans celle-ci. De toute façon, ce sera jamais la bonne nature. De toute façon, là, il va vraiment avoir une nature de merde, une qui nous intéresse pas. Franchement, l'inverse, je prenais. Toujours l'inverse, je prenais, je faisais pas le difficile. Putain! Non, mais là, j'ai plus rien. J'ai plus intimidation, il va me faire trop mal. Les Écrafas, ça va prendre trop de temps. Cicatère, elle est comment? Ouais, c'est... Bah, les dernières. Ah, c'était meilleure nature. Oui, c'est vrai que c'est cette nature qu'on cherche, c'est même pas le plus vitesse.
C'est juste pas le moins vitesse quoi. Putain, ils m'ont vraiment donné l'opposé quoi. Ça fait tout l'opposé de ce que je dis, en même temps ça, putain j'en ai marre. Ça fait un PNJ kill, si, mais il est loin. Il est loin, il faut que je rentre à ma maison, il faut que je dorme. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, putain. Je crois qu'il était loin. Oui, il était loin, il était à... après les trois salles, là, je crois. À moins qu'il soit juste en haut là. Non, il est pas en haut, juste là. C'est trop simple. Ah non, il est pas là. Putain. T'es qui, toi? Ok, pardon, excuse. Moi, j'avoue que ça avance pas trop sur les topiqueurs, les gars. Le vélo, je peux pas. Est-ce que ici j'ai pas plus de proba de le trouver rapidement, genre. Bon, je vais se faire 3-4 allers-retours, on voit. Si on a un seul qui pop, je reste toute ma vie ici. Attention dernier, est-ce qu'il y a un instigateur? Et malheureusement non. Ah oui, mais c'est en bas que je dois aller, donc on a été une dernière tentative. En fait, si c'est que des scorplanes et des... Enfin, non, en fait, même si c'est un biome similaire, en fait, le... Parce que là, par exemple, Rhinocorne, il n'était pas du tout dans l'autre. Et là, il y a Emma Rhinocorne. Non mais je crois que c'est encore plus loin. C'est trop lent le hill, les gars. Ah non, c'est peut-être là. Non, c'est pas là. Putain, je sais que c'était dans un corner comme ça, mais je sais plus lequel. Attends, est-ce que c'était pas en haut là? Le point bleu, non, le point bleu c'est un pote, je crois. Ça c'était pas là, genre. Putain. C'est trop loin les... Oh non, je crois que c'est dans le corner, tout en haut là. Après la zigzag. Et y'a quoi qui bosse ou quoi les gars là-haut? J'aimerais bien me reposer IRL en fait, je suis mort là. J'aimerais bien utiliser mon vélo, mais là ouais, pas le temps. Bon les gars, dernier insécateur. Eh, mais je peux sauvegarder ici, je peux rester là-dedans? Mais non. En fait, je me dis quitte à... Autant arrêter maintenant en fait. Tu vois, je vais faire tout le chemin. Non. Là, on a bien de compter, mais tu dis normalement, t'avais dit chaque mort de tes Pokémon, tu payes 5 subs. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, si je mourais, j'étais time out quoi. J'ai failli un moment avec Mew. Des fois là je jouais avec le feu, mais jamais j'ai été renvoyé à jouer là. Une fois franchement je sais pas comment je m'en suis sorti. Mais je m'en suis sorti. Ah c'est si je vais voir Joël, si je me fais éliminer tu vois. Par contre heureusement qu'on fait pas le Nuzlocke. Hein. Après je pense si on faisait le Nuzlocke on ferait pas ça tu vois, par exemple on griderait pas, ce serait des potions à tout va.
parce que oui, là, je fais des calls. Bon, les gars, vous inquiétez pas, il va pas mourir parce que c'est dans cette Pokéball qui est capturé. En Nuzlocke, je pense que je ferai pas ça, quoi. Ouais, c'est bon, le retour était plus rapide que l'aller. J'ai pris quel genre de chemin tout à l'heure pour mettre autant de temps? J'ai l'impression que le retour était beaucoup plus rapide, là, c'est normal. Technique ce petit passage là. Vous avez chaud là. Bon, je commence à avoir les ranges. Bon. J'irai pas un professionnel, les gars. Quel charme. Ok, charme. Ok, mon ref. Petit boost. Boost x2, non, pas boost x2, il est niveau 25 lui. Ah, bouffon. Ok, j'ai fait coup critique. Nickel, il est à point, on y va. Allez, non mon ref s'il te plaît. Bon là le problème c'est que je suis en range d'un coup critique. Franchement j'ai la peine de refaire le chemin, je vais pas te mentir. Les Manaphy, elles carry pas mal. Quand je dis elle à chaque fois, mais en fait ça peut être... En fait ils ont pas de sexe en fait.
Oh. Non, arrête de me bait. C'est quoi, c'est en direct, frère? Après, le problème, c'est que j'ai que accès au Pokéball pour l'instant, du coup. En fait, peut-être que je le fais au mauvais timing. Je devrais peut-être plus avancer avant de faire les moves. Faudrait au moins les Super Balls, je pense, pour. Parce que là, je vais faire un temps fou sur. Déjà que c'est chiant à trouver, donc si en plus. On est trop tentant d'avoir un secateur direct, c'est vrai, c'est vrai. Ça aussi. Pas mal le coup critique. Allez, s'il te plaît, mon ref. Allez, on y va là. Allez. C'est gênant là. Par contre, ma fille, il sert pas mal hein, en vrai. Hein. J'avoue que le mettre en moins 6. Enfin! Enfin, pour au final que ce soit du bait, je connais. Allez, mon ref. Allez! Sérieux? Oh, franchement, je me serais contenté de ça, mais. Et ça, frère, arrête, à quoi tu joues, putain, à quoi tu joues? Mon dernier, vraiment dernier. Allez, back to back, hop, tu spawns instant là. C'est bon, fini les conneries là, oh. Je suis pas au con, bordel. J'ai l'impression que les plus galères à capturer, c'est les plus nuls. Hop là. Ok, une meuf. Niveau 29. On prend tous les gars. Oh, ça tank. Ça peut tanker 3 cascades, les gars. Oh, ok, coup critique. Mais j'étais en mode. Wow. Ok, direct one shot, c'est parti. Le step CC garanti, lui faire des charmes, ça va rien. Bah si, en fait, le petit charme,
Comme ça, je peux envoyer beaucoup de Pokéballs parce que du coup, il fait très peu de dégâts. Donc après, il met beaucoup de critiques, hein, donc il arrive quand même à passer en... au-dessus de ça, mais ça tank ça quand même, hein, genre tu prends beaucoup de tranches quoi hein, quand tu te prends des charmes. Allez. Petit coup critique, voilà. Les CC annulent les baisses de stats perso et les augmentations adverses. Les CC. J'ai pas compris ce que tu veux me dire là. Les coups critiques ignorent les changements de stats. Bah je sais bien. C'est ça qui est dérangeant, c'est pour ça qu'il arrive à me tuer des Pokémon, c'est parce qu'il met des coups critiques. Sans les coups critiques, il me fait aucun dégât. Donc du coup ça me fait tempo. Donc c'est déjà mieux que rien, vu que dans tous les cas j'ai pas de trucs pour paralyser ni rien. J'aurais Lixi mais level 13 je crois, genre elle se prend un tranche et fini. Fin de tournage. Prends n'importe lequel, tu vas à Union Police, tu achètes ce qu'il te faut, tu changes la nature en demi. J'ai pas accès encore à Union Police, je suis qu'au deuxième badge, je crois. De toute façon, les gars, y'a pas besoin de tout ça parce que là, c'est le bon. Je pourrais même dire c'est la bonne. Ah ça. Et sans en vitesse. Non, on m'avait dit que c'était là, c'est putain. Putain, elle réunit tous les pires trucs. Dans un seul, hein, c'est cater. Non, elle a plus attaque. Plus attaque quand même. Oh, ça a sifflé. Mais je sais pourquoi ça a sifflé. C'est le shiny? C'est maintenant? C'est maintenant mon ref. Le 1 sur 4000. C'est maintenant? Ah mais attends, j'ai qui pour le capturer là? Ah ouais mais... Attends mais mon starter est pas mort. Mais non mon starter est pas mort. Ouais mais niveau 30 par contre. Alors attention. Non, l'avare. Le principe de la nature, en gros, suivant la nature que ton Pokémon a, il va avoir plus 10% dans une stat et moins 10% dans une autre. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est plus 10% en attaque. Et franchement, moins 10 n'importe où, sauf en vitesse ou... Tu vois. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça pop en vitesse et il faut aussi le bon talent. Parce qu'il y a deux talents. Nous, on veut pas celui qui booste les attaques insectes. On veut le talent qui booste les attaques faibles. En fait, du coup, ça fait des attaques super fortes et en plusieurs coups. Donc, du coup, double coup, ça rend le truc super fort. Par exemple. Et là, par exemple, le dernier qu'on a capturé, il avait moins vitesse, pas le bon talent. Pour te résumer ça, il pue sa mère, quoi. Dans des termes un peu plus grossiers, mais réels. T'as déjà eu des shiny ce soir? Ouais, j'en ai eu deux déjà. Là, on est sur un sécateur. On a déjà eu Rakayu et Onyx. Oh putain.
Alors on cherche, on cherche. Ok, c'est le moment. Oh, ok, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe, c'est quelqu'un lui. Il est plus rapide que moi. Pas brûle. On va pas se soigner les gars, c'est la dernière tentative. Puissance, oh là là, comment il va être puissant dans la Pokéball. C'est le dernier les gars, je raille ma mère, c'est bon, on reprendra demain après. MJ il a aucune défense. Ouais. That my boy. Allez. Les gars, on va s'arrêter là, sans regarder. On regardera demain. Est-ce que c'était le bon? Est-ce que... Non, je rigole, vous êtes des malades, bien sûr qu'on va regarder. Ok, il est tech, hein. Il est tech, c'est tout ce qu'il a. Mais de toute façon les gars on n'arrivera pas à... Tout ciao. Bon moi il a le bon talent. Vas-y c'est bon. C'est bon, j'en ai marre de me faire martyriser. C'est vraiment si important la réunion demain. Ouais, ça peut même concerner l'équipe code et tout les gars, donc... Donc bon... Qu'est-ce que tu me veux toi? Ah ok, c'est pas par là que je vais. Ok, je vais dévaler là, je vais dévaler les pistes. Mais non, enfin, je dirai demain parce que bah. Ouais. C'est où la piste? Je pense qu'il faut aller par là. Non? Ah, ou peut-être pas, parce que là, c'est pas dévaler la piste. Je pense qu'il faut revenir vers un endroit plus. Mais du coup, si je passe en vélo là, c'est bon? Ah non, non, c'est pas par là du tout. Ok. De quel côté faut... Oh, dévaler la piste. Est-ce que là on n'est pas en pleine déval là? Oh, j'aime bien parler au professeur. C'est les échanges, ok. Ok les gars. En bas là. En bas là. Merde. Ok ok, bon les gars, on fait ce dernier combat et on y va. Parle vieux maintenant. Oh merde. C'est si important que ça, parle vieux. Oh merde, on est déjà parti là. Hey, ton vol c'est pas mal aussi pour intimidation, ouais.
Parle-lui maintenant avant que demain tu oublies. Non, c'est bon. C'est bon, demain vous inquiète pas, vous serez là pour me le rappeler, je vous connais. Ciao. C'est ciao. C'est vrai qu'il est niveau 17 le pauvre. Et en plus il a qu'un seul Pokémon, donc là c'est à peu près ce qu'on va rencontrer. Oh, on a trop XP les gars je crois. Oh merde. Ah mais en fait ça tombe tout seul. C'est bon les gars.